Salut, c'est Boisdin, bienvenue dans ce 3 minutes pour deviner numéro 3. C'est parti! Alors je vais essayer de faire comme d'habitude les choses les moins évidentes. Enfin comme d'habitude, que l'épisode 3, mais je vais essayer de faire les choses les moins évidentes avant, pour pas que vous trouviez tout de suite. Alors bien sûr, si vous vous demandez, je sais déjà ce que je vais dessiner, j'ai déjà étudié la question avant, pour pas me viander. C'est pas la même chose qu'un 2 minutes pour dessiner, où il y a plus d'improvisation. Là, je sais où je vais. Je doute que quelqu'un, là, à ce stade, trouve. Alors, vous êtes vraiment très très fin. J'aime beaucoup utiliser ce pinceau-feutre en ce moment. Donc, je vais faire comme dans Question pour un champion. Indice, chez vous. Alors je peux le dire en fait, ça sert à rien de l'afficher. C'est un personnage. Je pense que ça commence à se voir de toute façon. Personnage. Un personnage. Ouais. Je veux dire ce que ça veut dire. Là c'est son nez, bien évidemment. Alors. Peut-être qu'il y en a qui ont reconnu là, si je suis vraiment je suis pas mauvais. Bon, je bave un peu, parce que je tourne pas ma feuille, j'ai pas envie de tourner ma feuille sinon je vais rien voir. Il y en a qui regarde pas tout droit. Pas très grave. Alors dites-moi bien sûr à quel moment vous avez trouvé, hein, comme d'habitude. Alors je vais essayer d'accélérer. Là, faut que vous commenciez à essayer de trouver. Ça commence à devenir facile, on va dire. On se dit même très facile. Là, vous devriez tous avoir trouvé. Je vais juste peaufiner pour le fun. J'aurais peut-être pas dû faire le chapeau tout de suite. Mais bon, ce n'est point grave. Ah, logiquement, il sourit pas. Allez, c'est fini, ça fait 3 minutes. Il s'agissait bien sûr de Sherlock Holmes. Je l'ai représenté sous les traits de Dominic Cumberbatch par rapport à la série Sherlock que je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas vu. Voilà, j'espère que ce 3 minutes pour deviner numéro 3, en fait non, c'est plutôt le 2. Parce que le 2 ne comptait pas, c'était un poisson d'avril, vous a plu, que vous avez deviné assez rapidement. Dites-moi à quel moment, c'est toujours sympa. À la prochaine!